Bonsoir mon pays et bienvenue dans cette édition de fin de semaine. Tout de suite, les titres de ce journal. 120 milliards de francs, c'est l'estimation actuelle des dégâts causés par les violentes émeutes au pays. Des destructions aux conséquences lourdes pour l'économie locale. Employés, commerçants ou encore patrons s'affairent à établir un état des lieux de leurs infrastructures et faire le bilan. Agences bancaires, OPT, Enercal, à Poindigné, la vie reprend petit à petit son cours, mais sous certaines conditions. Les habitants de la commune s'adaptent, et notamment les mamans du marché communal. De la danse et des jeux pour occuper les enfants pendant ce temps de crise, c'est ce qu'a proposé l'école Structure cette semaine. Pendant 5 jours, des enfants entre 8 et 17 ans ont pu s'évader et les parents être soulagés. Nous le verrons à la fin de cette édition. Et je vous le disais en titre, 120 milliards de francs, c'est l'estimation actuelle des dégâts causés par les violentes émeutes au pays. Des destructions aux conséquences lourdes pour l'économie locale. Depuis que le calme est légèrement revenu, employés, commerçants ou encore patrons s'affairent à établir un état des lieux de leurs infrastructures incendiées, pillées et saccagées. Reportage Michel Pimbé et Audrey Pouidi. Ça a été complètement pillé en fait. Pas incendié, donc c'est le deuxième cas dont je vous parlais, pillé, saccagé, mais pas incendié. Donc on travaille à la réouverture. David Guyenne revient à Caméré pour la première fois depuis le début des émeutes. Il vient constater les dégâts dans le centre commercial du quartier. Tout a été saccagé. Dans ce commerce qu'il a fondé avec son père il y a 21 ans, avant d'être vendu à une grande enseigne en 2016. Ma vie professionnelle en Nouvelle-Calédonie, elle commence vraiment ici. Donc quand je vois l'ampleur des dégâts, ça fait mal au cœur parce qu'on a mis vraiment beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre foi hein, d'ailleurs en la Nouvelle-Calédonie, dans ce centre commercial. Cette boulangerie, il en est encore propriétaire. Elle a été épargnée par les flammes, mais saccagée et pillée. Un investissement d'une valeur de 35 millions de francs totalement perdu. Donc cette boulangerie, elle a plus de 10 ans et c'est 4 emplois. Et surtout une perspective de vie pour mon chef boulanger. Il comptait vraiment sur cette boulangerie pour lui asseoir sa vie et être son propre patron. Donc c'est ce rêve-là qu'on brise aussi à travers ces émeutes et à travers cet incendie. Également président de la CCI, David Guyenne et les autres chefs d'entreprise du territoire savent que les années à venir vont être extrêmement compliquées pour l'économie locale. Aujourd'hui, plus de 400 entreprises totalement détruites. 5000 emplois directs, donc totalement éliminés. Plus de 120 milliards de destruction, donc d'incendies, des outils productifs. Parmi les 400 entreprises détruites, il y a Renault. On a environ un peu plus de 500 voitures neuves brûlées. Ça fait à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard. Une centaine d'employés se retrouvent sans emploi, comme les 5000 autres personnes estimées. Désemparés face aux dégâts, pour ce concessionnaire, l'heure est aux démarches administratives. Évidemment, on a contacté les assurances. Celles-ci vont missionner des experts très prochainement, puisque vu l'étendue des dégâts, il n'y a pas assez d'experts en Nouvelle-Calédonie. Donc ils arriveront prochainement pour justement étudier les bâtiments et voir ce qui peut être fait, reconstruit ou pas, à quel coût. Et ensuite, il faudra discuter de ça avec les assurances. À cette crise estimée à 120 milliards de francs, s'ajoute la crise inédite du nickel, risquant de plonger l'économie calédonienne vers un effondrement. Et pour faire face à la situation de crise économique et pour assurer la survie de ce tissu, plusieurs aides sont proposées par les différentes institutions publiques, qu'elles soient financières ou psychologiques. Gabriel Page et Edwin Douy les ont répertoriées pour vous. Pour répondre à la crise, différentes mesures d'aide sont mises en place par les services publics pour les entreprises touchées. Pour celles situées à Nouméa et son agglomération,
la zone la plus touchée par les violences, la province sud propose un panel d'aide. Elle accompagne les entreprises de moins de 10 employés avec une aide à la trésorerie plafonnée à 1 500 000 francs pour les sociétés dont l'effectif est compris entre 1 et 5 employés et de 4 millions de francs pour celles dotées de 6 à 10 employés. L'institution a également mis en place une aide pour verser les salaires du mois de mai pour toutes les entreprises ou patentées à l'arrêt. Le formulaire est à remplir via le site internet de la province. L'aide de l'association APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, a également été sollicitée pour accompagner les chefs d'entreprise. Pour toute question, un numéro vert est mis en place par la province sud, le 05 99 88. Le gouvernement a quant à lui récemment annoncé le report d'échéances fiscales, la déclaration des divers impôts notamment. Pour les entreprises de proximité, il s'engage à faciliter l'acheminement des marchandises vers les entreprises. D'autres aides sont à l'étude. De son côté, la Chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie a mis en place un numéro vert en soutien aux entreprises, le 05 03 03. Elle met également à disposition sur son site internet un guide des aides à destination des entreprises. À la suite de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, certaines aides ont également été annoncées. Il est question d'un fonds de solidarité à destination des entreprises victimes et d'un prêt garanti pour la reconstruction à destination des entreprises calédoniennes. Pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont presque plus de trésorerie, elles bénéficieront d'un report jusqu'à 3 mois de remboursement de prêts bancaires. Pour toutes ces aides, les dates et les montants seront communiqués ultérieurement. Politique, les loyalistes et le Rassemblement ont tenu cet après-midi une conférence de presse au siège de la province sud à Nouméa. Objectif, aborder la situation de la Nouvelle-Calédonie. Durant les échanges, chacun à tour de rôle a exprimé son ressenti par rapport aux événements que traverse le pays et demande à l'État d'agir, notamment avec un soutien plus important de la France. Virginie Rufnak, elle, est revenue sur la mission de dialogue. On l'écoute au micro de Gabriel Page et Vanessa Kofi-Kindé. Nous sommes, vous le savez, engagés depuis des mois déjà dans une volonté de dialogue qui a d'ailleurs est toujours nourrie aujourd'hui avec un certain nombre de responsables politiques indépendantistes des différents mouvements qui existent. Et nous souhaitons ce dialogue, sauf que c'est très difficile, et notamment pour nos camarades du camp d'en face, les indépendantistes qui ont été élus légitimement, de pouvoir dialoguer dans cette situation insurrectionnelle, alors même que la vie des uns et des autres est menacée. C'est la raison pour laquelle l'État doit rétablir l'ordre si elle veut véritablement que la mission du dialogue, à la demande des indépendantistes qui est venue, puisse correctement faire son travail. Les rapatriements pour les îles Loyauté se poursuivent. C'est au tour des ressortissants d'Ouvéa de prendre la direction de leur île. Aujourd'hui, 72 personnes ont bénéficié de cette opération organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une opération axée prioritairement pour les personnes évasanées, les cas médicaux et les personnels essentiels. Si environ 200 personnes sont déjà rentrées aux îles en avion, il reste encore beaucoup de loyalsiens qui souhaitent rentrer chez eux, comme en témoigne Midia, une maman originaire d'Ouvéa. On a eu l'appel des gouvernements, on avait commencé par le pétitur, pour le premier rapatriement. Du coup, il était plein, du coup, on n'a pas pu envoyer toute la famille, tous les enfants. Et du coup, là, je suis venue envoyer ma fille. J'ai eu l'appel du gouvernement à 9h, et puis du coup, je suis venue poser ma fille ici. Ben, y a encore beaucoup de personnes qui sont encore là, hein, qui ont envie de partir. Et puis là, ils ont demandé une visite encore 3 personnes. Et du coup, un peu, les gens sont un peu... Ils ne sont pas contents, hein, parce que voilà, ils ont tous envie de partir et puis ben, on ne peut pas faire autrement. Il faut encore d'autres rapatriements, oui, mais ils sont beaucoup les. Ben, il y a eu juste une rotation pour le petit chou et un rapatriement là, par avion pour Ouvéa et c'est pas assez. Hein. Voilà des propos recueillis par Henri Naïlolo. À noter que demain, c'est au tour de l'île des Pins. Le départ se fera à 12h30. Et toujours concernant les transports aériens, la compagnie Air Calin ne reprendra pas ses vols commerciaux avant le lundi
3 juin à 9h du matin, les personnes dont le vol a été annulé entre le 14 mai et le 3 juin bénéficieront néanmoins de mesures commerciales. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site d'Air Calin. Et sur Point-d'Imier, le retour à la vie normale se fait doucement, avec des agences bancaires, OPT et Nercal de nouveau ouvertes. Des ouvertures cependant conditionnées avec des horaires aménagés. Sur place, la population s'adapte, notamment les mamans du marché communal. Le reportage d'Aurélie Chéron. Quelques mamans sont présentes ce matin au marché communal. Bananes, pamplemousses et quelques plantes sont proposées. C'est un retour compliqué des produits sur les étals. C'était trop dur au moment de reprendre le marché, vu des barrages qu'il y a. Surtout en ce moment, c'est le carburant. Les mamans, ils n'arrivent pas à descendre tous leurs produits de vallée. Mais là, ils étaient contents de revenir pour se retrouver au marché. Reprise du marché, réouverture des agences OPT, Enercal et bancaires. Le retour à la normale se fait doucement avec des horaires aménagés. Une bonne chose malgré tout pour la population, notamment celle des vallées dont les déplacements sont restreints. C'est bien de ouvrir le matin parce que les gens ont le temps de venir à la banque et faire leurs courses. Du côté de la médiathèque également, le public est de retour. Une réouverture très attendue, notamment en cette période de continuité pédagogique. Tout le monde est arrivé avec le sourire. Je crois que c'est un vrai bol d'air en fait, d'avoir réouvert la bibliothèque. Et puis comme certains sont en continuité pédagogique, donc ça a permis aussi aux parents et aux enfants de venir prendre des livres. Quoi. Et la plupart, oui, ils sont venus pour ça, en fait, pour renouveler leur stock de livres et faire des photocopies, en fait, on va dire les choses habituelles qu'ils viennent faire à la bibliothèque. Les commerces sont quant à eux peu ou pas approvisionnés. La vente des produits de première nécessité continue d'être limitée en quantité par personne. La commune est pour l'heure toujours en pénurie de carburant et de gaz. Soulager les parents et occuper les enfants à travers la danse durant cette période compliquée que connaît le pays. C'est ce qu'a proposé l'école Structure cette semaine aux enfants adhérents de l'établissement. Pendant 5 jours, des enfants entre 8 et 17 ans ont eu la possibilité de s'évader au travers de chorégraphies et de jeux ludiques. Reportage de Maëlys Vézir. Allez-y, vous êtes prêts ? Fermée depuis le début des émeutes, l'école de danse Structure, située au centre-ville de Nouméa, a décidé d'ouvrir ses portes gratuitement cette semaine pour les enfants et adolescents adhérents. Une façon de les occuper durant cette période compliquée que connaît le pays. On a lancé cette initiative pour venir aider les parents qui devaient reprendre le travail avec la crise, mais qui n'avaient pas d'option pour leurs enfants. Du coup, on a décidé d'ouvrir et garder ces enfants-là sur toute la journée. On a un groupe de 8-11 ans et un groupe de 12-17 ans. Ils arrivent tous le matin à 8 heures. On prend le temps de se réveiller tranquillement. Ensuite, on passe aux ateliers. Donc, il y a un atelier hip-hop avec Enzo et avec moi. Et on switch. Je pense que ça fait 2 semaines déjà qu'ils sont fermés chez eux. Voilà, on essaye de leur donner un peu de joie. Toute la semaine, les 40 élèves ont complété leur chorégraphie du matin par des jeux de société et des activités artistiques l'après-midi. J'ai bien aimé faire les jeux de société, m'entraîner, faire des chorégraphies avec Charlie et Enzo. C'est bien comme ça, on peut rattraper les cours. Nos parents ils peuvent retravailler, on est loin des écrans et comme ça, on peut se faire de nouveaux amis. Bah, moi, personnellement, chez ma mère, je suis dans un quartier assez dur. Et du coup, bah, c'est bien de venir là, ça te libère la tête et tu ne penses plus à rien que juste à la danse. Cette nouvelle école, ouverte il y a seulement 4 mois, espère retrouver une activité complète à partir du 10 juin. Mais comme pour beaucoup d'autres acteurs culturels, l'avenir reste encore incertain. On a monté ça avec notre cœur, c'est un métier passion qui est compliqué. On a mis beaucoup d'argent dans cette entreprise et on vit au jour le jour. On a un petit peu de trésorerie pour tenir, essayer de maintenir un petit peu le loyer, un petit peu les salaires. Mais voilà, si on ne peut pas bosser le mois prochain, ça va être chaud sur les 3 prochains mois. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Au jour le jour, espérer des jours meilleurs et puis pouvoir reprendre un semblant de vie normale
on est unis dans l'art, hein, tous ensemble. On a des potes dans tous les sens, de toutes ethnies confondues. Et voilà, on veut continuer comme ça. Croise les doigts. Les copains à fond, amusez-vous. Attitude, délire bien précis dans la technique. Et surtout, délirez au... Et avant de se quitter, pour rappel, la vente d'alcool, le transport et le port d'armes sont toujours interdits et le couvre-feu de 18h à 6h du matin est maintenu. Samedi et dimanche, n'oubliez pas votre JT du Pacifique présenté par Antoine Reis. Il fera le point sur l'actualité de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de nous faire confiance. Prenez soin de vous. Belle soirée et bon week-end sur Calédonia.